Salut, aujourd'hui là je vais m'adresser à toi, exactement à toi. Toi qui veux zapper cette vidéo, tu veux zapper? Non, attends un peu, une minute, attends juste une minute. Qu'est-ce qui se passe avec toi lorsque tu dors tard après avoir été des journées, 2 heures et 2 heures sur WhatsApp ou sur Facebook ou sur YouTube, mais je ne sais pas où, et tu te réveilles très tôt le matin, sans même brosser, sans même te laver, directement tu reviens sur les réseaux sociaux. Et je voudrais juste savoir une chose, qu'est-ce que les réseaux sociaux te rapportent? Alors, en dehors de ceux-là qui travaillent sur les réseaux sociaux, en dehors de ceux-là qui travaillent sur WhatsApp, mais toi qui te réveilles le matin là pour dire « Bébé, comment tu vas? Comment t'as passé la nuit, bébé ?» Est-ce que ton bébé là où il est là, il sait que tu n'as même pas brossé, tu ne t'es même pas lavé d'ailleurs. Hier, tu ne t'es pas lavé. Hein? Hier, tu as passé nuit comme ça, tu ne t'es même pas lavé. Alors, tu te réveilles encore très tôt le matin pour commencer à déranger le même bébé que tu as parlé avec lui toute la nuit. Bébé, je passais la nuit aux étoiles. Oh, chérie, tu ne sais pas. Est-ce que ton chéri là sait? C'est dans quel état tu es là sur ton lit au moment où tu lui parles? Mais qu'est-ce qui se passe avec vous là, les Africains? Qu'est-ce qui se passe avec vous là? Vous autres là, depuis que vous avez appris à utiliser Facebook, on ne se repose plus. Depuis que vous avez appris à utiliser WhatsApp, c'est tout le temps « Allô bébé ». Non, non, qui a besoin de tes messages là d'allô bébé? Tu es tout le temps bébé, est-ce que tu as 1000 francs? Est-ce que tu as 10 dollars? Bébé, je vais sortir. Le réseau social vous a facilité, vous n'avez même plus honte de demander parce que sur le réseau social c'est rapide. Si tu n'as pas le courage de demander quelqu'un en face comme ça, toi, il suffit d'entrer sur ton WhatsApp. Bébé, tu as un petit 5 dollars, alors tu peux me prêter, je vais te rembourser quand papa va revenir. Tu vas rembourser. Tu as déjà emprunté combien de dollars? Tu n'as jamais remboursé. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu es le matin sur WhatsApp, le soir sur WhatsApp, sur Facebook, sur Snipe. Non, je ne sais pas. Tu es ta vie là et collée sur réseaux sociaux. Mais après avoir utilisé ton réseau social, tu pars chez ta maman là pour dire « Maman, j'ai trop faim. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner 5 dollars ?» Mais tout le méga là, tout le mégabyte là que tu as dépensé sur WhatsApp et Facebook ne pouvait pas t'aider à acheter un petit pain. Mais qu'est-ce qui se passe avec toi là? Qu'est-ce qui se passe? L'âge avance, tu ne te rends même plus compte de l'âge. L'âge avance, tu es toujours là. Réseaux sociaux, WhatsApp le matin, Facebook la journée. Instagram le soir, et demain c'est YouTube, tu réponds, c'est la routine en fait, pour toi c'est la routine, c'est tous les jours la même chose, tous les jours la même chose, tous les jours sur WhatsApp, tu vieillis, en fin de compte tu te rends compte que 40 ans tu es toujours chez tes parents, et maman dit, Freddy, va me chercher de l'eau, ah maman je parle à mes amis, tu vas parler à tes amis toute la vie, hein, qu'est-ce qui se passe? On en a marre de ces gens-là qui n'aiment pas travailler, sont tout le temps sur les réseaux sociaux. Vous êtes tout le temps sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous gagnez? Tout le temps en train de chercher des filles à draguer, en train de chercher des filles à déranger. Bébé, je suis boss. Et tant qu'on t'écrit qu'il est boss là, tu n'as même pas vérifié s'il est boss. Tu tombes directement dans ses charmes pour dire oui, on se voit demain. Lorsqu'il apparaît avec sa grosse culotte là. Arrêtez de rester tout le temps sur les réseaux sociaux. Arrêtez de rester tout le temps sur Facebook. Et il y a de ceux-là qui utilisent Facebook qui n'ont jamais été payés. Alain des artistes qui font la publicité de leur travail, qui font le marketing de leur travail. Mais toi qui utilises Facebook en vain, là, tu dépenses jour et jour de mégabytes. Tu es toujours connecté. Tu ne gagnes rien. Toujours là. Il y a quoi? Il y a la telle musique est sortie. Regarde-moi celle-là. Regarde-moi celle-là. Regarde-moi celle-là. Tu perds ton temps. Tu dépenses ton temps. Tu es en train de perdre ton temps. Tu sais combien tu as perdu depuis que tu as perdu des heures et des heures. Les heures de chercher du travail, les heures de rester en famille, les heures de faire quelque chose pour avancer en fait dans ta vie. Mais tu es toujours là sur le réseau, tu es en train d'écrire le matin. Allô, oh man, comment tu vas? Baby, bébé, à 35 ans, bébé, 40 ans, on t'appelle toujours bébé. Lorsqu'on t'appelle bébé, bébé. Regarde-moi ce gros bébé-là. Regarde-moi ce gros bébé-là. Regarde-moi ce gros bébé-là. Alors, lorsque tu finis de regarder cette vidéo, que tu partages cette vidéo et tu dis, oui, Facebook, tu m'as aidé à perdre mon temps. WhatsApp, tu m'as aidé à perdre mon temps. Depuis que tu as commencé à dépenser tes mégas là, depuis que tu as commencé à dépenser tes mégas, as-tu déjà gagné quelque chose? Rien. Ouh, c'est le mode de moquerie. C'est le mode de photos en train de poster des photos. Il y a des photos là même qui n'ont même pas de... Tu n'es même pas photogénique, hein? Tu n'es même pas photogénique, tu es toujours là.
Là, tu écris le bonheur. Tu es malheureux, mais tu écris tout le temps sur tes photos le bonheur, quel sourire, je ne sais pas, aux anges, je ne sais pas quoi. Le réseau social ne te rapporte rien. Alors, si tu es sur le réseau social, va là avec objectif et faire de très bonnes relations qui t'aident à avancer dans la vie. Hein? Fais des relations de contact qui t'aident à avancer dans la vie. Vends ton produit, fais ton marketing, le marketing de ton produit, ou n'importe quoi qui t'aide à avancer dans la vie. Ne reste pas sur les réseaux sociaux en train de perdre ton temps à écrire bébé le matin, bébé le soir. Lorsque tu arrives le soir, tu dis j'ai faim, je n'ai rien à manger. Et vous les filles, je ne sais même pas comment vous appelez. Il y a un gars qui te drague sur les réseaux sociaux qui te dit qu'il est directeur de je ne sais pas si je vaux d'accord ou. Je ne sais pas. Alors demain, lorsque tu le croises comme ça, même un 100 francs, il n'arrive pas à te donner. Il est tout. Vous, est-ce que c'est normal, toi, la jeune fille, tu passes un temps, tu passes toute la journée à écrire à un mec qui t'écrit du matin au soir. Tu ne te demandes même pas ce que c'est, mec ici qui m'écrit comme ça parce qu'il n'a pas du travail. Est-ce que ça ne traverse même pas ça ne traverse même pas ta tête de dire que non. Mais ce mec qui est connecté le matin, il est connecté à midi, il est connecté le soir. Mais est-ce qu'il travaille celui-là? Mais c'est clair qu'il ne travaille pas. C'est clair qu'il ne travaille pas. Il n'a pas du travail. Il ne travaille pas. Il est là connecté, bébé, à 12 ans, bébé, le soir, bébé. Enfin, il a 40 ans, bébé, il a 50 ans, bébé, 60 ans, bébé. Alors, arrête de pourrir ta vie, arrête de perdre ton temps, arrête de pourrir ta vie en train de rester sur les réseaux sociaux. Et Facebook, là, Mark Zuckerberg gagne. YouTube, il gagne. Tous ces réseaux sociaux-là, ces gens-là où vous vous connectez, ils sont en train de gagner leur vie. En dehors de vous amener dans des choses bizarres, ils sont en train de gagner leur vie. Alors toi là, tu vis, tu as été sans barbe, tu as des barbes et des barbes ont vieilli, tu as des barbes blanches, tu es toujours là, bébé. Alors arrête-moi ça. Après avoir partagé cette vidéo, déconnecte-toi de cette page, va la travailler. Hein? Va la travailler. Et toi, jeune fille là, tu es toujours là, bébé. Et le matin, lorsqu'on te dit mets la caméra, tu ne mets pas la caméra, pourquoi? Parce que tu sais ton visage là, le matin lorsque tu te réveilles, ta face là. Ouh! Et vous les hommes, lorsque tu parles avec une femme, très tôt le matin, 5h, elle t'écrit déjà, bébé, comment tu réveillais et comment tu vas? Mais à 5h du matin, cette fille-là n'a même pas bossé, ça bouge pas. Ouh! Si tu étais à 50, tu allais sauter du lit, hein, je te dis. Lorsque tu dis, bébé, ouh! Ces bébés-là, ça sent très mauvais le matin. Mais lorsqu'elle met cette mascara là, à midi, elle revient là, elle apparaît là. Ouh, la déesse qui est là à midi. Ouh, quelle femme. Mais à 5h du matin là, cette femme là qui t'écrit bébé. Il y a des femmes là qui t'écrivent aussi bébé à côté d'un autre gars. Hein. Réveille-toi. Bébé, le gros bébé là qui dort, la femme qui t'écrit bébé. Dis-la seulement à 5h du matin de mettre la caméra, tu vas voir. Tu vas voir sa face là. C'est monté comme ça, ce sont des make-up là qui directionnent en fait son nez, sa bouche, son nez. Oh, elle devient tout droit après avoir fait le make-up. Mais dis-là seulement de mettre à 5h du matin la caméra, tu vas voir sa face là. Ici là c'est comme ça, ici là c'est comme ça, ici là. Alors réveille-toi, hein. Arrête de déranger les gens à 5h du matin bébé, en fait. Arrêtez. Le réseau social. WhatsApp là, Facebook, YouTube, c'est bien pour utiliser pour des choses professionnelles, de bonnes relations pour avancer dans la vie, pas pour des futilités. Tu écris du matin au soir et puis tu m'écris encore, tu m'écris non, je t'écris chaque fois, tu ne réponds pas. Et tu vas passer toute la vie en train de m'écrire. Et moi je travaille, j'ai du travail à faire, je vais rester en train de t'écrire tout le temps. Et tu es orgueilleux, l'espèce d'orgueilleux, tu ne réponds pas. Mais je vais te répondre. Pourquoi en ce moment-là, tu veux te répondre? Moi, je suis en train de travailler. Je suis en train de travailler. C'est quoi? Je vais te répondre comment? Je te réponds quand j'ai le temps. Et si c'est quelque chose d'important, je te réponds. Mais tu m'écris quelque chose du genre, là, ok. Ika, comment tu vas? Et ça roule. Et quoi de neuf? Quoi de neuf? Mon Dieu. Alors, réfléchis. Utilise Facebook, WhatsApp, tous les réseaux sociaux-là avec objectif. Ne perds pas ton temps inutilement. Ne perds pas ton temps inutilement en train d'écrire des gens bébé. Tu as 50 ans, je te rappelle. Tu as 40 ans, 41, 42. Toi là, je parle à toi. Même si tu as deviné, tu as 42, 50 ans. Très tôt le matin, c'est au Facebook. Tu veux quoi? Mon Dieu. Regarde-moi ces bébés là. Ouh! Regarde-moi cette dame-là sans maquillage le matin. Chérie, si tu savais.
utilise bien Facebook, utilise bien WhatsApp, utilise bien Instagram, ne perds pas ton temps inutilement. Avec des conversations inutiles, tu ne gagnes rien, en fait. Utilise bien. Tu es tout le temps sur... Tu achètes le méga, mais tu n'as même pas l'argent pour acheter ton pantalon. Ton pantalon est là, est troué. Il a mis un mégabyte. Aïe, Seigneur. Il dit... Alors, le soir, là, tu as un 5 dollars. Tu as des problèmes. Oh. Comment c'est vieux, là? Comment c'est dame, là? Actualité, tu n'as rien dans ton compte, zéro. Mon Dieu, utilise bien les réseaux sociaux. Ne permets pas que les réseaux sociaux puissent te faire perdre du temps inutilement. D'accord? Merci, c'était votre frère évangéliste Immortel Kanik.